Guten Tag les amis et bienvenue sur TV Tips. Alors aujourd'hui 18 mai, j'ai pu récupérer la version complète de Tennis World Tour qui s'est mise à jour en version 1.01. Donc je ne pense pas que ce soit le patch Day One, mais je découvre, hein, je viens de lancer, donc voilà, je vous fais profiter de ce moment et on va voir ce que ça comporte. Alors, donc un mode carrière, d'accord. L'académie de tennis, bon, pour voir comment on se débrouille. Le jeu en ligne bientôt dispo. Mode exhibition, créer son joueur. Et déjà les options, on va aller directement là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on a? Interface. Alors déjà je vais baisser le volume de la musique. Bon, je vais tout laisser sur OK pour l'instant. Toc, ça, je sais pas ce que c'est, mais on va dire que oui. Option de jeu. Hop. Allez, on va déjà baisser. Hop, le volume de la musique. Qu'est-ce qu'on a? Monte à la volée automatique, certainement pas. Décalage coup droit auto, non plus. Inversé, course et amorti. Bon, on verra ça plus tard. Alors, les commandes, ça se trouve où? Bon, on dirait bien que c'est pas là. Bon. Alors, ce qu'on va faire, bah tiens, hop, on va commencer par l'académie. Qu'est-ce qu'on a? D'accord, les bases, hein, déplacement, la charge, le service, exercice avancé, les entraînements de carrière. Donc, ça doit être pour débloquer des trucs, j'imagine. D'accord, et des défis. Ok, bon, ça roule. Bien. Je vais pas me mettre là-dedans tout de suite. Allez, on va se lancer un petit match en mode exhibition. Alors, on peut créer son propre tournoi avec des réglages. Allons voir là-dedans. Est-ce qu'on peut modifier les tournois? Vu comme c'est barré, j'ai pas bien l'impression. Alors, notre roster d'origine, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah c'était plus ou moins ce qui était prévu, hein. Ah bah oui, il en manque hein, quand même. Oh putain. Aïe. Alors, si t'y passes, je veux bien. Mais... Ah, par contre, ils ont oublié la notion de fair play. Fognini aurait eu moins 10. Hein. Bon allez, trêve de plaisanterie. On va prendre Roger. Plop plop plop. Allez, on va jouer sur terre battue. Hop, hop, hop. Alors qu'il n'y ait pas de licence, je veux bien. Mais wow, putain les mecs, sérieux. Bon allez, je vais pas taper sur le jeu. La grosse match du premier jour n'est pas encore dispo. Allez, on va lancer sur ça. Alors on peut aller. D'accord, jusqu'à 5 tours seulement. Bon, ok. Qu'est-ce que je vais. Alors, j'ai quoi? Amateur espoir, pro légende. Bon, allez, on va être gentil, on va commencer très tranquillement. Toc. Bon, allez, 1-7, ça ira bien. Ah, puis là, on peut paramétrer. Ouais, d'accord. Toc, toc, toc. Oh non, time break tout court. Allez, c'est parti. Ok, let's go. Ah, voilà. Alors, ah putain, il y a un bouton sprint. Donc ça, c'est bien. Les coups, ça change pas. Déplacement visé, ça change pas. Préférence volée. Ah, c'est peut-être pour l'enchaînement. L'enchaînement à la volée. On va voir ça. Alors, faut pas que je me plante parce que c'est l'inverse dans... Dans AO Tennis, l'amorti, enfin l'amorti il est en R2.
et la volée qui ne fonctionne pas est en R1. Allez, continuez. Le physique et le mental vont avoir une part prépondérante dans ce quart de finale. Ah, donc on a des commentaires. Première chose. Si je fais détail, d'accord, ok. Plop, plop, plop. Ouais, dire de Wawrinka qu'il a un meilleur revers que celui de Fed. Ouais, les mecs, il faut y aller doucement quand même. Bon, allez, c'est parti. Alors, il me disait, ah oui, d'accord. Donc ça, c'est les aptitudes de notre gars, ok. Donc il y a différents niveaux. Elles sont pour différents moments. Je vois point décisif permanent, service. D'accord. Bon, mais il y a l'air d'avoir des trucs sympas sur ce point. Merde, oula. Je voulais pas qu'il redescende. Ah. On appelle ça la perfection tennistique. Je vous laisse juge de l'ambiance sonore. 0-15. Je vous relaisse juge de l'ambiance sonore. Faute. Putain, ils montent tout seul. 0-30. Alors je vais vérifier un truc parce que c'est quoi ce bazar? Ils montent tout seul. Ah non, il est monté à la volée automatique désactivée. Allons-y. Faute. Alors là, je vais essayer de faire un enchaînement service volé. Ouais. Je prends bien quoi de break ça. À défendre, il va falloir 0-40. Être très solide au service. Alors, est-ce qu'il y a un truc pour les utiliser ou est-ce que ça se fait tout seul? Histoire des cartes. Putain, c'est il quoi cirque, sur la fin de son jeu. Il monte tout seul, mon Gugus, on dirait. C'est bizarre. L'excès de vitesse 0-15. Bon, je pense et j'espère que l'ambiance sonore sera corrigée faute. Pour le patch. Faute. Il sert vraiment mal aujourd'hui. 0-30. Faute. Ah putain, il monte tout seul. Il a 3 balles pour reprendre son break de retard. 0-40. Faute. Faute. Il lui fallait ce break. Eh ben. Bon, je vais essayer d'alterner coup, slicer, lifter. À plat, donc à plat, lifté. Il aurait pu se donner plus de marge de sécurité par rapport au filet. 0-15. Ça m'embête là cette histoire du gars qui monte tout seul. Faute. Oh putain. C'est marrant, il n'y a pas de timing au service. Oh, oh, incroyable. Vous avez vu la balle passer, c'était un 0-30. Et comment il fait pour être aussi puissant? Ouais, bizarre tout ça. 15-30.
doit sauver les deux prochains points maintenant pour garder son break. 15-40. C'est louche. Alors cette touche de sprint déjà est bien, ça permet de se replacer plus rapidement. Enfin, c'est un peu plus dynamique. Ah, il monte tout seul. Égalité. D'accord. Égalité. Égalité. C'est le moment de claquer une première. Les animes de volée sont plutôt pas mal. Avantage. Faute. Alors je sais pas si l'ambiance sonore est propre au mode exhibition, mais putain, au secours. On dirait que les coups liftés partent mieux que les coups à plat. Comment il fait pour être aussi puissant? Bon, en termes de gameplay, timing, direction, hein, y a rien de vraiment nouveau. J'ai jamais vu ça. Ben ouais, moi non plus quand même. 0-15. Bon, d'accord, je suis au niveau le plus faible du jeu, alors je vais grimper un petit peu après. Wow, pop. Et ce coup droit termine dehors, il n'y a pas assez de contrôle dans cette frappe. 15-A. Ouais, donc effectivement, hein, quand on outrepasse le timing, on va dire 4 bonnes chances pour que ça sorte, ça c'est assez logique. Timing qui m'a l'air comme ça, plutôt permissif. 15-30. Là, je découvre, hein, c'est mes premiers points. Deux chances de finir le match. 15, c'est 40. Bizarre. Hein. Bon, en tout cas, c'est très différent d'Ao Tennis. Ouais, énorme cette victoire. Match Federer. D'accord. Alors, je vais bien me garder de faire un comparatif là tout de suite maintenant, parce que ce serait complètement biaisé. Hein. Ao Tennis a reçu plus d'une vingtaine de matchs. Aujourd'hui, c'est devenu un... On peut considérer que c'est un assez bon jeu. Tennis World Tour n'est pas encore sorti. On est à 3-4 jours de la sortie. Il n'y a pas le patch qui va bien encore disponible. Donc voilà, je me garde pour l'instant de toute comparaison. Alors, il me fait jouer contre qui? Eugénie Bouchard, d'accord. Bon, bah si tu veux. Je vais monter un peu le niveau de difficulté. Pas compris cette histoire là de préférence volée. Quel suspense, deux matchs les séparent de la victoire finale, il va falloir se battre. Alors, ah merde, je peux peut-être pas changer le niveau ici. Bon bah allez, du coup, hop, forfait. Ouais, super. Je vais faire une exhib normale. Ah non, c'était un mode tournoi en plus. Aïe. Allez, tiens, je vais prendre Fed. Ah ouais, putain, ils ont pas été très gentils là sur les stats de Zverev. Tiens, allons-y. Amateur, espoir. Allez, je suis un fou, je vais jouer en légende. On va changer de surface aussi. Tiens, allez, on va jouer sur gazon. Un petit set suffira. Tie break. Allez, let's go.
Là, comme ça, ce que je ressens manette en main, c'est... Ouais, c'est un manque de dynamisme. Étant en même temps. Des stats, elles me donnent beaucoup d'informations sur la qualité de leur jeu. D'accord. En même temps, ça fait 5 minutes que je joue, donc faut être raisonnable. Et ce coup droit termine dehors, il n'y a pas assez de contrôle dans cette frappe. 15. Alors, il n'y a pas de challenge, hein, je crois pas. En tout cas, j'ai pas vu. Faute. La balle n'a pas dépassé le filet sur ce revers. 0-30. Ouais, logique. 3 balles de break à défendre. Il va bon, ça par contre, c'est cohérent. Hein. Faire l'essuie-glace, ça marche une fois, deux fois, et puis au bout d'un moment, on est trop loin, donc ça 0, c'est logique. 40. Alors, si on tente un ace à la out tennis, est-ce que ça marche? Merde. Hop. Non, ça marche pas. Ce qui est plutôt bien. Voilà, il balance du lourd. Ah ouais. 15-0. Ah non, il joue un peu trop tendu sur ce coup droit. 30-0. Bah ouais, et puis je fais du bullshit surtout. Faute. Faute. Il sert vraiment mal aujourd'hui. 30-15. Merde, oh putain. Normal. Alors je pense qu'il faut vraiment, en tout cas à ce niveau de jeu, abuser de la touche de sprint pour se replacer. Je vais essayer de le faire un petit peu plus correctement. Oh putain, je me fais trimballer aussi. Wow, incroyable. Vous avez vu la balle passer, c'était un missile. D'accord. Oh putain, la capture. 40-30. Bon, on n'a juste pas la même notion de missile là. Alors intéressant parce que on peut s'en servir. Oh putain. De la touche de sprint. Ouais, pas uniquement pour se replacer, mais pour se déplacer vers la balle. Donc ça c'est plutôt bien. Bon, ce qui m'empêche pas de me faire bien désosser, mais bon. Faute. En tout cas, les coups ont l'air différents. Out. Ce coup droit termine dehors, il n'y a pas assez de contrôle dans cette frappe. 15. Faute. Ah, c'était pas, putain. C'était pas ça que je voulais faire. Il envoie de ses pralines. 0-30. Alors, je vais essayer, grâce au sprint, de faire un enchaînement service volé. Faute. Ah bah, je repasserai. Oh putain. 3 balles de match à sauver, ça va être compliqué. Hein. Pas la première 0, fois que ça me fait cet effet de... De frapper que ça ne joue pas le coup. Et ouais, ça fait bizarre. 2 balles de match à sauver. 15-40.
Alors, est-ce qu'on peut jouer des coups croisés en bout de course? Un peu, ouais. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ah oui. Ah putain. D'accord. Ouais, ça pique un peu, ouais. Ok. Bon, un jeu qui visiblement mérite d'être... comment dire, pratiqué pour pouvoir profiter du gameplay. Alors, toc, si je reviens au début, ouais, donc ok. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Je fais évidemment pas de test, pas de truc vraiment approfondi, c'est juste, on va dire, de l'unboxing, de la découverte. Voilà, moi pour l'instant, perso, si vous voulez me demander mon avis, ouais, mitigé quand même. Mitigé, c'est pas désagréable à jouer. Là tout de suite en l'état, c'est ouais, c'est moins attractif, moins fun même d'ailleurs. Puis moins réussi qu'à au tennis, mais voilà, c'est entre guillemets normal. Le jeu vient à peine d'arriver, on a encore pas le patch qui va bien. Donc bah moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, hein. Dès que le patch sort, là par contre je ferai un test en bonne et due forme, et je le ferai au format court cette fois-ci, parce que la dernière fois c'était une heure c'est long, puis on a autre chose à faire, donc je ferai un petit truc voilà, au format court, j'irai à l'essentiel, je gratterai éventuellement un ou deux points qui mériteraient de l'être, mais en tout cas je tâcherai d'être plus concis, voilà. Bon, bah sur ce, moi je vais retourner sur AO Tennis, hein, parce qu'il faut quand même pas rigoler. Et je vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt, salut !